C'est l'anniversaire de Lily. Grand-maman lui offre une carte cadeau d'un montant de 25 $. Cette carte est particulière. Elle est utilisable dans tous les commerces d'un centre commercial donné. Lily range sa carte précieusement, tellement qu'elle l'oublie pendant près de 2 ans. Lorsqu'elle la retrouve, elle court à sa boutique favorite du centre commercial pour y dépenser son 25 $. Rendue au magasin, la douche qu'elle reçoit est froide, pour ne pas dire glacée. La caissière lui apprend qu'il ne reste que 5 $ sur sa carte. Pourquoi? Parce que des frais d'inutilisation de 2,50 $ par mois ont été débités de sa carte cadeau à partir du 16e mois suivant son achat. Est-ce légal? Oui. La loi permet d'imposer ce genre de frais seulement pour les cartes cadeaux utilisables dans plusieurs commerces, comme par exemple dans un centre commercial donné. Cependant, le montant de ces frais doit être inscrit à l'endos de la carte. Morale de l'histoire? N'attendez pas. Gâtez-vous! Yeah!